frères et sœurs, amis internautes, réjouis-toi, nous célébrons en ce quatrième dimanche du temps du carême, le dimanche de la joie, l'étaré Jérusalem. Réjouis-toi, Jérusalem, et rassemblez-vous, vous tous qui l'aimez. Soyez dans la joie et l'allégresse. Vous tous qui étiez dans la tristesse, nous voici parvenus à la mi-carême, contents d'avoir fait des efforts pour le Seigneur. Sors de ta nuit, sors de la nuit de ton péché, sors de la nuit du tombeau de tes péchés. La joie, c'est le soleil des âmes. La liturgie marque donc aujourd'hui, en ce quatrième dimanche, une pause dans les austérités et fait entrevoir le but final de ce carême, la joie de la résurrection. C'est par le bois de la croix que la joie nous est venue. Oui, c'est par